Faire preuve de créativité. Que je connaissais pas. De ne pas rester au sol. L'ancien. Ah, je vais enfin pouvoir rentrer à la maison. Oh merde!
touche pas. Taré. Putain. Recule, mec. Ou je t'explose. Plus de travail, plus d'uniforme. Suis-moi. T'es qui, toi? Je m'appelle Walter, et je viens de te sauver la peau. Il reste encore quelques survivants en ville, mais plus pour longtemps. Prends ça! Fais gaffe, ils nous suivent. Ils sont tous à toi. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Comment ça, montre-moi ce que t'as dans le ventre? Aide-moi! Non, tu t'en sors bien. Continue. Arrête de me juger et aide-moi! Pas mal. Retrouve-moi sur le terrain de basket. Pourquoi? Pour que tu puisses me juger encore plus? Quoi, ça? Un test? Oui, c'est un test. J'ai déjà eu affaire à des survivants. Alors maintenant, je me méfie des casse-couilles. Ce cadavre, là-bas, c'était l'un d'eux? Hé, hey, le mec AB! Dis-moi ce qui m'attend. Ouvre cette caisse. La caisse! Pète-la! Ramasse le flingue. Maintenant, sors ton nouveau flingue. Je fais ça comment? C'était ça, le test? Fastoche, papy! Attends ici.
Prépare-toi, les overdosés arrivent. De l'overdosé? C'est le petit nom des buveurs d'overcharge. Mon pote Floyd dit que l'overcharge a bousillé leur système endocrinien. Je vais jeter un peu d'overcharge sur le terrain. Prépare-toi pour le test grandeur nature. Les overdosés sont accro à ce truc. Ils vont vite rappliquer. Ils arrivent! Monte sur la barrière, vas-y! Tu bouges encore? C'est bon signe. Suis-moi! Ils sont où les flics? Le GIGN et l'hélico de la télé, hein? Réveille-toi, camarade. Fisco contrôle tout. On devrait pas demander de l'aide, plutôt? C'est pas possible. Fisco a coupé toutes les communications vers l'extérieur. Mais j'ai un plan. C'est à cause de Fisco, ça? Ils n'ont pas fait exprès. Mais ils ont fait un putain de bon boulot pour étouffer l'affaire. Le reste du monde pense que nous sommes tous morts à cause d'un virus. Allez, faut qu'on avance! Lui, c'est Bob Dealer. Il fabrique des armes. Et pas seulement, attention. Je suis un excellent artisan. Je fabrique des trucs de ouf. Allez, vas-y. Achète une arme. Tu veux plus d'armes? Reviens avec plus d'overcharge. Ça marche? Mange-toi! Je veux te présenter Floyd. Hey! C'est qui ça? Notre nouveau partenaire. Ah ouais? Salut, moi c'est Floyd. Des intrus! Continue. Tu sais ce que tu fais. C'est qui ces types? Des scabs. Des salopards qui te tirent dessus juste pour le plaisir. Un conseil quand tu vois un scab, tire le premier. En gros, t'es en train de me dire que je dois être un scab pour les scabs, c'est ça? Vas-y, sors d'ici. Et pense à grinder le plus haut possible et à sauter partout. Si tu bouges pas, ils vont te bouffer. Ok, reviens maintenant.
Je vais sur le pont routier faire bosser notre nouvelle recrue. Bon, il me faudrait plus de matos, là. Dirige-toi vers les rails, je t'expliquerai plus tard. Quoi, toute seule? Écoute, je sais que c'est pas vraiment la joie dehors, mais c'est une question de point de vue, tu vois. Si tu te dis que tu vas t'éclater, alors tu vas t'éclater. J'ai pas raison? Bon, c'est clair que ces putains d'overdosés rigolent pas. Gaffe à ton cul. J'ai construit un nouveau flingue, une vraie œuvre d'art. Et reviens vite, hein! Enfin, pas trop vite non plus. Les gens pourraient croire des trucs. Je t'ai indiqué les emplacements des pièces sur ta carte. Il faut absolument que tu les récupères toutes, pigé? Mais attention, ça ne fait pas que ça. J'étais scientifique chez Fisco. Je dirigeais l'équipe extrémophile. Ces tout petits microbes sont l'ingrédient secret de l'overcharge. Ces trucs ont un potentiel illimité. J'ai prévenu Fisco que ça pourrait être dangereux, mais ils m'ont pas écouté. Ils m'ont pas laissé assez de temps pour mes recherches. Oh, ok. Tu vois, si tu prépares ton overcharge dans une cuve haute pression et que tu ajoutes pile poil les bons ingrédients, tu peux obtenir du super matos. J'appelle ça des rushs. Et tu peux me croire, tu vas adorer. Mec, tu me rappelles un certain Heisenberg.
crois que je les ai tous eus. Il y a un autre chargement là-bas, au bout de la voie. Grind sur les rails, tu trouveras le reste du stock. Jamais tu vois des barils rouges. C'est bon, je m'y connais en jeu. Je sais quoi faire avec les barils rouges. Merci. Les poppers. Vaut mieux les descendre avant qu'ils s'approchent de trop près. Ils descendent de la butte. Je crois que j'ai tout. Bien, reviens à la distillerie. Alors, Floyd, il y a un truc que je pige pas. Pourquoi Fisco voudrait empoisonner ses propres clients? Je vais t'expliquer. Tout ça, c'était un accident. Les dirigeants de Fisco avaient tellement peur de la concurrence qu'ils se sont maniés de sortir l'overcharge sans l'approbation du gouvernement. Ils ont merdé. Et maintenant, ils feraient n'importe quoi pour maintenir le prix de leurs actions. On va pas sortir de cette ville vivant, c'est ça? Pas avec une attitude pareille, en tout cas. Voilà comment je vois les choses. L'apocalypse nous offre la chance de devenir qui nous voulons être. Pas de patron, pas de règles. Moi, j'appelle ça l'apocalypse! Apocalypse, apocalypse, apocalypse. Que je suis prêt à céder. Ok, je travaille sur des trucs que j'appelle des rushs. J'en ai quelques-uns qui sont presque prêts et j'ai juste besoin de deux ou trois trucs pour les terminer. Il doit y avoir des ballons Fizzy dans la base. Récupère-les et rapporte-les.
préparation. Ouais, ok. Maintenant, t'as plus qu'à équiper ces rushs. Comment ? Je veux dire, si on était dans un jeu vidéo, il y aurait un menu ou un truc dans le genre. Écoute-moi, joueur. Pourquoi est-ce que j'entends des voix, moi ? Parce que tu dois apprendre des trucs, et les études ont prouvé que c'était la meilleure méthode. Tu équipes tes rushs dans le menu de personnages. Il y a plusieurs catégories de rushs. Choisis l'emplacement de rush héroïque pour ton nouveau rush. Équipe ton rush héroïque. T'es en rush maintenant. Passons au rush d'armes. Choisis l'arme à laquelle tu veux appliquer un rush. Tu ne peux appliquer de rush d'armes qu'aux armes de niveau 2. Choisis un rush d'armes pour l'appliquer à ton arme. Et maintenant, va la tester. Je vois rien de différent. Ah ouais, les rushs ne s'activent que quand tu te bats avec style. Ça, c'est ta jauge de style. C'est ta meilleure amie. Utilise tes combinaisons aéro pour remplir ta jauge de style. Rebondis, grind et balance-toi. Ne t'arrête jamais. Le fait de tuer des ennemis en grindant, sautant et en faisant des acrobaties génère aussi du style. Tu dois t'entraîner. Va au parking et active ton premier rush. Rebondis sur des voitures et grind sur des câbles jusqu'à atteindre le niveau de style 1. Choisis le haute fidélité. Cool. Ton rush héroïque est activé. Redescends et fais une roulade sur tes ennemis. Grâce à ce nouveau rush, tu les renverseras tous. Maintenant, tu dois atteindre le niveau de style 2 pour utiliser ton rush d'armes. Arrête des rebondis pour gagner du style. Incroyable. Sans déconner. Allez, on va tester le rush d'armes. Utilise l'arme haute fidélité. Maintenant, mets en pratique tout ce que t'as appris pour buter les overdosés. Différents niveaux de style, différents rushs s'activent. Les rushs héroïques s'activent au niveau de style 1. Les rushs d'armes et de corps à corps s'activent au niveau de style 2. Les rushs épiques s'activent au niveau de style 3. Et attention, au niveau max de style,
tous les rushs s'activent. Si tu restes à rien faire, ta jauge de style va se vider. Donc, ne t'arrête jamais de bouger et de tuer des ennemis. Reste avec moi, c'est bientôt fini. Ça, c'est le compteur de combos. Quand tu enchaînes les frags et les combos d'un héros, tu gagnes des bonus. Plus ton compteur de combos est élevé, plus tu gagnes de style. Nickel! Bon, tu vas pouvoir buter de tes propres ailes. Te foire pas! Ouais, c'est ça! Ça, c'est du style! Allez, reviens, j'ai une bonne nouvelle pour toi! Ok, bébé? Et c'est parti! On va se marrer! Quand ça sera fini, j'aurai un rush pour toi. Si je prépare ça, c'est pour faire de nouveaux rushs. Et crois-moi, tu vas avoir besoin de nouveaux rushs. Bon, t'as compris? Dès l'instant où je vais commencer à préparer, les overdosés vont rappliquer. Le plus important, tu vois, c'est que tu tiennes ces enfoirés à l'écart des cuves. Si tu échoues, t'en fais pas! C'est l'apocalypse! T'auras toujours une deuxième chance! On est dans un jeu vidéo, non? J'ai placé des barricades et des pièges autour de la base, mais ça ne tiendra pas longtemps. Va bosser et empêche les overdosés d'entrer dans la base. Ok, la dernière étape est de tourner la vanne et de nous mettre au boulot. T'essayes de les buter avant qu'ils n'atteignent tes pièges. Hé, hey, ils vont franchir les barricades extérieures. Il y a un groupe d'overdosés sur l'une des barricades. Utilise le pyrocompensateur pour tous les cramer. Ils sont dans la base, putain. Ils vont les empêcher d'atteindre les cuves. T'as plusieurs armes différentes. Utilise-les. Continue de tourner autour de la base. Grind et rebondit partout. Ils détruisent les barricades intérieures. Et ils viennent de franchir les barricades extérieures. Ne les laisse pas franchir les barricades. On a perdu toutes nos barricades extérieures. Continue de tourner autour de la base. Grind et rebondit partout. De nuit. L'overcharge distillée est très sensible aux ultraviolets. Il m'est arrivé quelques accidents quand je l'ai testé en journée. Enflamme ce saccageur avec ton pyrocompensateur. Ensuite, prends ton peur qui arrive pour balancer des brunos. Oh!
serait testé en journée. Continue de tourner autour de la base. Grind est rebondi partout. Enflamme ce saccageur avec ton pyrocompensateur. Ensuite, prends ton beurre diarrhée pour balancer des prud'hommes. Tes armes de ouf, parce que tes pièges ne vont pas suffire à les arrêter. Ils sont dans la base, putain! Ils vont les empêcher d'atteindre les cubes! Ne les laisse pas franchir les barricades! T'as plusieurs armes différentes, utilise-les! Bon, on arrive à la dernière étape de la préparation des rushs. Toi, essaie de résister jusqu'à la fin du compte à rebours, et on en aura terminé. Très sensible au feu. Utilise ton pyrocompensateur. Ok, des rushs que je peux préparer vite fait. T'as juste à m'apporter les ingrédients et je pourrais te donner le rush tout de suite. Va au coin des rushs et dépose les ingrédients pour avoir ton rush. Tu trouveras des ingrédients de rush dans toute la ville. J'ai une liste pour toi. Les ballons de Fizzy sont remplis de fluorure d'hydrogène. Un super acide qui aide à amorcer les réactifs. Les chaussures qui puent sont une bonne source de dioxyde de soufre. Les objectifs de caméra peuvent aider à isoler les extrémophiles. Les néons fournissent des particules radicalement ionisées, parfaites pour la conduction organique. Des branleurs ont mis du PQ partout dans la ville. C'est débile, mais ça nous arrange. Le papier toilette est le substrat de catalyse idéal. Si jamais t'as du mal à trouver un ou plusieurs de ces trucs, Bob Dealer vend des cartes avec leur emplacement, ok? Certains rushs sont plus longs à préparer. Il faudra que tu défendes les cuves pendant qu'on les préparera. Je t'appellerai pour te dire quand j'aurai besoin que tu protèges les cuves. N'oublie pas d'équiper ces rushs et de me dire ce que tu en penses. Viens me retrouver sur le pont routier. Je t'attends.
Hey, Walter, tu faisais quoi dans la vie avant tout ça? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ok, alors t'étais un sale con professionnel, c'est ça? J'étais le chef de la sécurité chez Fisco. Était? On dirait que vous vous êtes pas quitté en bon terme. Il y a 2 ans, ils m'ont viré, moi et mes gars. Ils ont tout automatisé. Grosse erreur. Erreur? Après cet énorme foirage industriel, nous sommes les seuls à connaître la vérité. Et on est pris au piège dans une ville emmurée, remplie de zombies et sans moyen de communication avec le monde extérieur. Moi, je dirais que la sécurité a fait un sacré bon boulot. Des mutants, pas des zombies. Grosse différence. D'accord. Faut qu'on se tire, et vite. Allez, maille ton cul. Ils arrivent. Ramène-toi et aide-moi à les repousser. Maintenant, un rush de corps à corps et un rush épique. Je vais te faire un tout dernier cadeau. Voilà 60 secondes de style pur pompe de balle. La guerrière. Je fais cadeau pour de toi. Si tu veux survivre, 2 trucs. Reste en hauteur et bouge tout le temps. C'est pas mal. Par ici, la jeunesse. C'est quoi ce truc? C'est un planeur. Quand j'aurai franchi ces murs, je révélerai les mensonges de Fisco et je les ferai payer pour ce qu'ils ont fait.
Tu crois vraiment que ça va voler? Oui, ça va voler. Dès que j'aurai fini de régler 2-3 trucs sur le pot ninja. La clé. Ok, j'ai besoin que tu soulèves un peu plus tout ce bordel. Comme ça? Parfait, reste comme ça, je serre ce truc. Ne lâche pas! Peut-être que je vais lâcher. Attends! Faut que je lâche, Walt! Non! Ouais, t'as vu ça? Heureusement que j'étais là. Que des emmerdes. Ouais. Je parle de toi. Et tu voulais que je fasse quoi? Et bien sûr, c'est ma faute. Merci papa, qui n'est pas mon vrai papa. Hein? C'est quoi ça? Team Chao, l'essayer fait l'adapter. Les photomatons te connectent à d'autres joueurs pour le Team Chao, notre mode multijoueur inédit. Vote pour des objectifs qui augmenteront le chaos et récupère des boosts d'équipe. Joue en coopération avec Défense Nocturne. Plus il y a de chaos, plus c'est dur. Mais les boosts d'équipe t'aident. Termine Défense Nocturne pour gagner des trucs excellents. Consumérisme, quand tu nous tiens. Cherche un photomaton à chaque fois que tu veux jouer en ligne. Tu veux des rushs plus puissants? Joue en mode Team KO pour gagner des améliorations. Tu pourras ensuite les utiliser en solo. Je vais retourner à la base. Je l'aiderai à reconstruire le planeur. Si seulement je pouvais y aller plus vite. J'ai l'impression qu'on m'observe. Je devrais peut-être me calmer sur le café. Plaisir de les voir tuer quelqu'un d'autre que moi, pour une fois.
J'ai un problème. Je dois déplacer mon matos vers le chantier, plus loin dans la rue. Mais c'est plein de tarés. Ça te dirait de nettoyer un peu l'endroit ? Ah. Et si jamais tu vois des scabs, tu leur parles pas de moi, ok ? Ces salopards m'ont fait ma fête autrefois et... Bref, une sale histoire. J'adore la police. Thank you.
Je crois que tu les as tous. J'aurais besoin d'aide pour cet équipement. Allez, fais ta BA de la journée. C'est de l'éthanol pur. Super dangereux. J'en ai besoin pour ma recette qui tue. Oh, merde! Les scabs sont là! Les laisse pas me choper! Vas-y, sors tes flingues! Tu peux même faire péter mon éthanol! Ça va être génial! Prends un de ces barils et balance leur dessus! Je vais me planquer! Explose-moi ces putains de trous à scab! On sait que t'es pas loin, Jess! Allez! On veut juste que tu fasses ta popote! Promis, on va pas te taper comme la dernière fois! Détestez la science! Enflure! Secret de fabrication. On a juste besoin que tu nous montres comment on fait. Va te faire ! Jess, tu crois que tu peux te passer de nous, hein? On contrôle tout le marché. Moi, je fais un bon produit. Yeah.
prends ta récompense. Je vais installer ma distillerie et concocter la meilleure vodka du monde. Et après, je me ferai un vodka martini, un truc de déglingos. On y va.
manger à chaque fois que je passe dans un anneau. Bah ouais, t'es déjà bourré.
t'inquiète pas. Moi aussi, il m'a déjà envoyé chier plein de fois. C'est pas comme si j'avais fait exprès. Je veux me tirer d'ici au moins autant que lui. Allez, on va regarder le verre à moitié plein. Il va le reconstruire, ok? Le truc le plus difficile, ça va être l'hélice. Et si t'allais dans le vieux quartier de l'industrie pour y jeter un œil? Je devrais trouver ça dans une usine. Et si je commençais par celle de Crown Blades? Allez! Hé, comme tu seras là-bas, essaye de faire des combos et d'améliorer ton style. Utilise ces rushs! Crois-moi, les rushs peuvent faire toute la différence. Qui ça? Oh! Il avait pas d'icône machin sur sa tête. Est-ce que je suis censé le courser? Oui, il faut que tu le suives. D'accord, voix flippante qui veut m'aider. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer.
incroyable. T'as des super pouvoirs, c'est ça, hein? Quoi? C'est juste ta façon de te déplacer, les trucs que tu fais. Bon, bonne chance, petit. Non, attends, je m'appelle Sam. Et puisque tu m'as sauvé, je voudrais faire un truc pour toi. Pas la peine. Sauf si tu sais où trouver une hélice. Une hélice? Attends, attends. J'ai une idée. Oh, ça va être parfait. Viens, suis-moi. Il faut qu'on sorte d'ici. Suis-moi. Bon sang, c'est quoi ce truc? Ça a l'air dangereux. T'inquiète, je vais m'en occuper. Attention, il y en a d'autres qui arrivent. Allez, passons par l'idoc. Une petite balade sur les quais. Salut! T'en es où dans ta recherche, Davis? Je suis pas mal prise en ce moment, Floyd. Et j'ai trouvé un gars qui pourrait m'aider. D'accord. Bon, bah continue d'essayer alors. Ouais, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire quand on reste pas toute la journée planqué dans un conteneur. Attention! Je suis trop fan de toi! Je... Trop de choses à dire. Vas-y, je te suis. Oh non, on est coincé. On va jamais s'en sortir. On va tous mourir. Oh merde, t'as raison, on va tous mourir. Hein, vraiment? Non. Ok, on tourne en rond là. Réfléchis, Sam, réfléchis. Voilà le plan. Il va falloir détourner ce train. C'est génial! En plus, quelle chance que tu saches conduire un train. Quoi? J'ai jamais conduit de train. Bah alors, pourquoi tu proposes d'aller voler un train? Eh bah parce que sinon on va crever. Alors, puisqu'on n'a pas le choix, moi au moins j'ai passé des centaines d'heures sur Choo Choo Simulator. Les trains, c'est tout moisi. Et celui-là pourrait nous sauver. Ils ont cassé la barricade! Là! Les voilà! On va vraiment crever! De mort. En même temps, je connais pas trop de tornades de vie. On dirait que la voie est libre. On y va. Arrête de chouiner et suis-moi. Je vais voir si j'arrive à le démarrer. Toi, va inspecter l'intérieur du train. Et tu t'occupes des overdosés, ok?
Qu'est-ce que tu veux que je trouve dans le train? Un sandwich SNCF? Je sais pas. Il y a peut-être des munitions. Ok. Voyons ce que je peux assembler. Bientôt la série Z, train et terroriste. Un de ces trucs, un peu de ça, et une pincée de ceci, doux et explosif, comme le chocolat et le beurre de cacahuète. Yes! À la fermeture des portes. J'ai réussi! T'as conduit comme un chef! Je nous ai sauvés! Ouais, faut pas exagérer non plus. Bien! Notre repère est juste un peu plus bas. Alors, Sam, qu'est-ce que tu faisais tout seul dans cette usine? Oh, tu sais, je cherchais des provisions pour moi et mes potes. Ils m'ont envoyé parce qu'ils ont tous des trucs importants à faire à la base. Des trucs importants? Comme quoi? Je sais pas trop. Mais ces amis-là, c'est vraiment des amis? J'imagine. On est tous étudiants à la fac d'Oxford West. Oxford West? C'est pas l'internat où tous les riches et les stars envoient leurs gosses quand ils font une cure de désintox? Ouais, mais c'est une école super. J'ai une bourse. Je suis le seul. Tous les autres payent leur inscription. Bref, quand les overdosés ont attaqué le campus, on est une poignée à s'en être sorti indemne. Une chose avant qu'on entre. Mes amis ont du mal à se remettre du choc, alors vas-y mollo avec eux. Si on arrive à faire bosser tout le monde main dans la main, on te fera une superbe hélice. Hé les amis, permettez-moi de vous présenter... Ta gueule, Sam. Ils craignent tes potes, Sam. Ils sont pas méchants, juste trop gâtés. C'est la génération Y, ils sont pas parés pour l'apocalypse. Moi, je peux essayer de les motiver, mais il faudrait que j'attire leur attention. Et si tu m'aidais à les aider?
Tu veux quoi, que je te coach? Ouais. On commence par quoi, coach? Primo, m'appelle plus coach, ok? Deuxio, refais plus jamais ça. Tertio, voyons ce qu'il faut à tes potes pour se bouger le cul et travailler sur l'hélice. T'es avec les petits bourgeois? Ma copine Calista vend des fringues là-bas. Va la voir si tu veux te changer. Et n'aie pas peur d'essayer des trucs nouveaux. On peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Et sur ces belles pensées philosophiques, ciao! Je me tire! Par ici, jetez un coup d'œil sur l'avenir. Alors je suis invité à ton anif, coach? Oh, enfin... C'est Dirk. Sa mère est une physicienne reconnue et son père est astronaute. Il est super doué en aérodynamique. Aérodynamique. Ça, ça tombe bien. Et il rigole pas avec sa santé. Il boit que l'eau la plus chère qui existe au monde. De l'eau Bora Bora. T'as pas les moyens. Il y a une usine d'embouteillage un peu plus loin dans le quartier. Si tu pouvais lui rapporter quelques bouteilles, ce serait bien. Attends une seconde. T'es en train de me dire que la seule chose pour que ce type bouge enfin son cul, c'est de l'eau minérale millésimée? Le juge pas, tu le connais pas. J'ai aucune envie de le connaître. Crois-moi, une fois qu'il aura eu son eau, il t'aidera à faire ton hélice. Coach, enfin, à ton ami, à toi, ce serait cool. On a de nouvelles fringues qui viennent d'arriver. Non, non, on ne se fait rien, chier. Mais... d'une force. Salut, c'est Floyd. Je viens aux nouvelles. T'es qui? Ma daronne? Tu voudrais bien que je sois ta mère? Non, pas du tout. Bon, en tout cas, j'ai trouvé un groupe de petits bourgeois de merde. Il se trouve que ce sont des petits génies. J'ai des trucs à faire pour eux et après, ils me fabriqueront une hélice. Cool! Walter est parti sur le pont routier. Il reconstruit le planeur. Cette hélice va bien l'aider. Ne lui dis pas que je bosse dessus. Je vais lui faire une surprise. Walter n'aime pas les surprises. De toute façon, il aime pas grand-chose, alors à plus! Eh merde, c'est inondé! Oh! Je crois que si je veux cette putain d'eau Bora Bora, je vais d'abord devoir vider cette merde. Détectée. Bâtiment déconnecté. En attente de l'activation du système de nettoyage d'urgence. Un bon coup de chasse d'eau dans ces chiottes géantes. Système de nettoyage d'urgence activé. Non, je déconne. Obstruction détectée. Niveau de pression critique. Ouverture des vannes de sécurité pour éviter l'explosion. Il faut ouvrir ces vannes de sécurité. Je dois sauter sur cette vanne rouge. Nettoyage d'urgence numéro 2, en attente d'activation. Système de nettoyage d'urgence numéro 2, activé.
Nouvelle obstruction détectée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Niveau de pression critique. Ouvrez les vannes de sécurité ou mourrez.